Ned marchera avec toi au Chatham. Qu'est-ce que tu sais? Ben, je lis les ajustements jusqu'à la gaz, hausse encore 2 cents de semaine. Ouais, ouais, tout hausse. Ouais. Oh, oh, un écharpe. Mm. Oh, fais-tu ta idée, là, Augustine? Non, non, je l'ai. Je sais assez pour toutes les petites choses. Tout le temps, ça me dit même. Ouais, tout m'a parlé. Frotter du jus de raisin là-dessus. Du grape juice. Non, non, non. Du jus de raisin là. Qui profite dans les bois là, sur les résiniers. Oh, ces résines là. Non, je ne pense pas que ça travaille. Oh, ouais, ouais. Du jus de raisin là, ça l'arrêterait de saigner toute nette là. Ben, qu'est-ce que tu feras? Écraser des raisins qui mettent le jus sur la coupure là? Mais peut-être ça travaillera, ouais. Mais pense qu'il faudra peut-être que tu les manges là, ça, pour les mêler avec ton salive là, ton crachat. Hein? Ben, la raison que je dis ça, c'est même que moi je l'ai appris quand j'étais à New York. Oh. Mm-hmm. Par une journée là. Je marchais sur le bord de la Hudson. C'est rien qu'une petite rivière là, qui passe à travers la ville. Il faut rien que l'un des 747 dessus, by the way. Rien de plus gros. Non. C'est un plus gros flight que ça. C'est rien qu'une petite rivière qui passe à travers la ville. Oh, ouais. Ouais, j'étais moi et mon chum. C'est un gars qui s'appelait McTee. Yeah. Anyway, c'était l'automne. Puis les raisons, il était bien mûr et gros. Oh, il était gros. Et puis il était noir. Ça va lui, il s'en ramassait et il les mangeait. Et bien sûr, moi et tout. Et pour aussi là, marcher, à parler, à manger en allant là. Ouais. Et puis tout d'un coup, oh, Mathieu. Parle d'un mauvais goût. Ça doit être que ceux-là étaient au point mûr, vois-tu. J'avais point pris garde. Et puis j'en avais une pleine monde là dans la gueule. Et comme tu vois là, hein, j'ai une grosse main. Ouais. En tout cas, t'as qu'à m'excuser là pour ce que je vais te dire par rapport que. Ben oui, continue ton histoire. Ben, on va point en voler ça. Non. La première ligne, c'est pas de la part. Eh bien, je pouvais point en valer, ça. Ça fait, je le crache droit là dans la rivière. Ma tête est obligée de la point plus en valer, ça. Je l'avais justement craché. Ouais, non, c'est voilà. Mais je l'avais justement craché. Et le courant, il a commencé à slacker, et slacker, et tout d'un coup, l'eau a arrêté. T'as arrêté la rivière de couler? Ben, j'aurais jamais eu faim si j'avais su que l'eau l'a arrêté. Ça, on l'a jamais craché tant. Si j'avais jamais craché dedans si j'avais su que l'eau l'arrêtait. Mais à plein élan, l'eau qui venait du haut à l'avenue, et elle a poussé l'eau qui était arrêtée, et jusqu'au temps que je sais, l'eau coule encore. Ça passait de même que tu sais que du jus de raisin arrête du sang. Ouais, et si tu fais toutes les fois que j'ai une blessure, hein, je m'en mets. Ouais. Ah ouais, et puis y va. Il est tout s'en sert pas mal souvent. Au moins une fois par mois. Je comprends. Oui. Ben, c'est faut que je m'en aille. Comme bâtir une screen door. Oh. Y va, veut une screen door. Oh.
Tu en avais jamais eu avant, va. Ben pourquoi tu ne voudrais y une à cette heure? Ben, vois-tu? Donne avec la porte ouverte. Donne avec la porte ouverte, nous autres. Ouais. Et puis notre maison, là, elle se trouve droite dans la flight path de la Tooth Fairy quand on s'en va à Bangor. Et puis tous les soirs, à Astron, et puis à rentrer chez nous. Ah oh ouais. Trois fois qu'elle rentre jeudi au soir. Trois fois. Et puis. Ouais. Ça nous réveille. Ça nous réveille. Oh. Et tu parles qu'à son rage, quand ce qu'à son aperçoit, qu'à son corps trompé de logis. Ouais. Oh ouais. Oh. Tu parles d'une colère. Mm-hmm. Puis il va. Quand ça la réveille, là, elle est réveillée et puis elle ne peut plus s'endormir, je crois. Ben moi, là, moi, je n'ai pas eu besoin de dormir. Parce qu'on l'a à marche. Pas besoin de dormir. Ça va avec une screen door. Elle ne pourra point rentrer. Oui, oui. Pas au plus tard, là, Justine. Oh, ok, Fred. Moi, je suis obligé de me faire un autre coup, moi, et tout.